Chapitre 1. La classe de français. La correction. Bonjour. Bonjour madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau? Moi, je veux bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier? Merci. Valérie, vous lisez la première question? Comment vous vous appelez? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau? Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L? Avec deux L. Vous pouvez épeler? M apostrophe A 2 P E 2 L E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien, on continue l'exercice. Leçon 4. Au restaurant. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où? Dans la rue? À la maison? Dans un restaurant? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord? C'est dans la rue? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien, c'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes? Il y a 4 personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Deux hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur? Oui, moi mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. Chapitre 2. La politesse. La voisine. Sur le palier. Bonjour Victor. Bonjour Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour Madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir Madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille. La stagiaire. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Un cadeau chinois. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière! Elle est magnifique! Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non, merci, mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Chapitre 3. Les nationalités et les professions. Dans une école de langue. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor, il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi? Quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment?
Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... devinez? Comédien! À l'aéroport Charles de Gaulle. Deux femmes assises attendent un avion. Vous êtes française? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Il... Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion. On y va. Chapitre 4. Le calendrier et les horaires. Dans l'avion. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. Rendez-vous. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain? Aujourd'hui, ce n'est pas possible? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h. Ça va? C'est parfait. Question d'enfant. Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Chapitre 5. Les vêtements et les couleurs. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements. Hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Au jardin. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi, j'ai faim, il est déjà 10h. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert.
Du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Chapitre 6. L'apparence physique. Angelina. Allô, Manuel ? Ça va ? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupée en ce moment. Tu as beaucoup de travail ? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon ? Elle est comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille avec toi ? Non. Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis, en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi, elle est comment ? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse ? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi, elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde ? Elle est jolie, laide ? Elle porte des lunettes ? Elle a les cheveux courts, longs ? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite ? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Oh, tu sais, elle s'appelle Angelina. La nouvelle assistante. Allô, monsieur Dufour ? Bonjour, je suis la nouvelle assistante Valérie Bonnefoy. Ah oui, vous venez de Guadeloupe et vous arrivez lundi prochain, c'est bien ça ? Oui, c'est cela. J'arrive lundi à 12h33 par le vol AF322. Est-ce que quelqu'un va venir me chercher ? Oui, moi. Mais comment je vais vous reconnaître ? Vous êtes comment ? Bon, j'ai le teint mat, les cheveux courts et blonds, les yeux bleus. Je suis grande et un peu ronde. Vous êtes blonde avec les yeux bleus et vous êtes guadeloupéenne ? Oui, je viens des Saintes. Chez moi, il y a beaucoup de gens blonds aux yeux clairs. Bon, alors je crois que je vous reconnaîtrai. Mais j'aurai un panneau avec votre nom. Et vous, vous êtes comment ? La cinquantaine, les cheveux un peu gris, une petite moustache. Je porte des lunettes. Je suis très mince et plutôt grand. À lundi donc, et bon voyage. Au revoir, monsieur Dufour. À lundi. Chapitre 7. La famille. Les photos de Noël. Tu veux regarder mes photos de Noël ? D'accord. Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune sœur. Waouh, elle est super jolie. Et à côté, qui c'est ? Ma mère. Elle est pas mal non plus, non ? Eh oui. Et ce grand garçon à côté, c'est ton frère ? Non, c'est Paul, mon cousin. Et là... Bon, ça suffit. Tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J'imagine que le vieil homme, c'est ton grand-père. Et à côté, ta grand-mère. Pas du tout. Ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York. Là, ça devient intéressant. Et ils ont une fille. J'aimerais bien partir une semaine là-bas. Oui, mais ma cousine Valérie est mariée. J'ai aussi un cousin. Il s'appelle Sylvain. Lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa. Moi, la famille, ça me fatigue un peu. Surtout celle des autres. On fait un jeu vidéo ? Le mariage de Charlotte.
Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte. Un mariage tout simple et très sympa. Et son mari ? Il est adorable. Il s'appelle Christophe. Il est québécois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il finit des études d'ingénieur. Il a de l'humour et il est beau garçon. Sa famille est venue au mariage ? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là. Sa sœur est mariée ? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père. Sa mère est remariée. Ah, d'accord. Et la fête, c'était comment ? Très bien. Il y avait la famille proche et les amis. Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait ? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère. On a passé une soirée très agréable. Donne-moi le numéro de Charlotte, je vais les inviter à dîner. J'ai envie de rencontrer son mari. Oh oui, ça lui fera plaisir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Chapitre 8. Les itinéraires. Je cherche le métro. Pardon, madame. Je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole-France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des Écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François juste en face. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin ? Il faut combien de temps pour y arriver ? Si vous marchez vite, il faut 10 bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à 5 minutes. Ah, très bien. Merci, madame. La route du moulin. Non, Jacques, ce n'est pas la bonne route. Avant l'église, il fallait tourner à droite et passer devant la mairie. Écoute, je vais chez Maurice plus souvent que toi. Je connais le chemin. Arrête-toi et demande à cette femme. C'est vraiment pour te faire plaisir. Pardon, madame. Pour aller au moulin, s'il vous plaît. Ah, mais vous n'êtes pas dans la bonne direction. Retournez jusqu'à l'église et juste après, prenez la première à gauche. Passez devant la mairie et descendez la rue. Le moulin est à 500 mètres sur la droite. Merci, madame. Tu vois, j'avais raison, tu t'es encore trompée. Bon, au retour, c'est toi qui conduis. Chapitre 9. Les transports urbains. La navette de l'aéroport. Allô, Simone ? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi ? Il n'y en a pas. On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au quatrième arrêt. Je t'attends à l'abribus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure ! Pour aller au hall. Pardon, madame. Je voudrais aller au hall. Vous prenez la ligne 9, direction Mairie de Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Caumartin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon ? Alors, un ticket. C'est combien ? C'est 1,40€.
Voilà. Donc, je change à Havre-Caumartin et je prends le RER, c'est bien ça? Oui, vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Chapitre 10. Les activités quotidiennes. Le matin. À la maison. Sophie, mais tu es encore au lit? Tu dois te lever, il est 7h30 et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer, je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors, il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. À midi. Au bureau. Tu déjeunes où? Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une course à faire. Je vais manger un sandwich et prendre un café. Je viens avec toi. Il fait beau, on peut aller à la terrasse du café des amis. Après, je vais lire un peu au soleil. À la maison, je n'ai pas le temps. Le soir. À la maison. Bonsoir Sophie, ça va? Paul n'est pas encore rentré? Bonsoir maman. Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous, il a un repas avec un client chinois. Bon, et ta journée? Ça va, j'ai eu 12 en maths. Demain, la prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. On est tous fatigués. Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit. Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à 11h30. Chapitre 11. L'alimentation et la cuisine. Soir de fête. Un samedi matin à la maison. Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça c'est gentil. Laura et moi on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée ma chérie. Un peu plus tard. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et, pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé. Et tout le monde est content. En fin d'après-midi. Alors ma chérie, le musée? Super. Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine? Pas du tout. Je suis allé au supermarché. Puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé. Un très beau match. Et après, j'ai ouvert les huîtres. J'adore ça. Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre? Eh bien, ce soir, on mange une fondue bourguignonne, avec plein de sauce et une salade verte. Pas mal! Et comme dessert, une tarte? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais, les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi, Laura et Jacques vont bientôt arriver. La recette de la tarte au saumon. Allô Martine? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 g de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr, un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je note. Un pot de crème, un gros ou un petit?
Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température ? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu sers ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Chapitre 12. Les courses. La liste des courses. Allô Stéphanie, c'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut 1 litre de lait, 1 paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 tranches de saumon fumé, 1 salade verte, 1 livre de tomates, 1 paquet de pâtes et 1 morceau de fromage. Achète aussi 1 plaquette de beurre et passe à la boulangerie, acheter 1 baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison, je prends 1 tablette ? Oui, si tu veux, et achète des fruits. Des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 euros dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie. À tout à l'heure. Bon alors, on l'a fini cette partie ? Désolée Delphine, je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes ? D'accord. Elles sont toutes pareilles les mères. Heureusement, elles ont des filles. À l'épicerie du coin. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais 1 livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, 1 livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut 1 bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. 1 boîte de sardines. Merci. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur, vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé, il n'y en a plus. Alors tant pis, je prends des yaourts nature. Ah oui, j'ai oublié 1 paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 €. Tenez, voilà 1 sac. Merci, bonsoir. Chapitre 13. La maison et le logement. Recherche d'appartement. Dans une agence immobilière. Bonjour madame, nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous ? Il nous faut 5 pièces, avec 3 chambres, 1 grand séjour et 1 bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non ? Oh, vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf ? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse ? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking ? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande ? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter ? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix ? Le loyer est de 1200 euros par mois. Les charges sont comprises ? Non, il faut compter environ 200 euros en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence ? Une dernière question. Il se trouve à quel étage ? Au 4e. Il y a un ascenseur ? Non.
Impossible. Mes enfants ont 2 et 3 ans, je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les 2 petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. La maison de nos rêves. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien? Oui, et toi? Très, très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon? Elle est où? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a 3 petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler. Et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors vous allez l'acheter? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaire. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Chapitre 14. Les meubles. Le studio de Nathalie. Dans un café, un dimanche matin. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché aux puces? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage, ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil, il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça? Viens à la maison prendre le café, on leur demandera. D'accord, je peux venir vers 2 heures? Bah oui, très bien. À tout à l'heure. Le meuble combiné de Marine. Madame, monsieur, vous désirez? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord? Oh oui, bien sûr. Marine va être tellement contente. Chapitre 15. Les boutiques. La petite jupe noire. Devant une boutique de vêtements. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non? Laquelle? La rouge? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens? Madame, vous désirez? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu, mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la trouves? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien! Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci madame.
Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Les mocassins en daim. Dans un magasin de chaussures. Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en daim. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Chapitre 16. L'école et les études. Quelle vie ! Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À 8 heures. Français, 1 heure. Ensuite, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, 1 heure d'espagnol, 1 heure de permanence, 1 heure de sciences nat. Et après ça, 2 heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage! Bientôt les vacances! Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en troisième et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va, pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Hé, chacun son tour. La rentrée. Comment vas-tu? Et tes enfants? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en quatrième. Et il est content? Ouf, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Chapitre 17. Le sport. Un grand sportif. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et 2 soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volley, mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai chi. Inscription au club de football. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade, et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune ? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ?
C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Chapitre 18. La météo. Un peu frais. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça? Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin? Elle est partie très tôt. Enfin, l'été. À la boulangerie. Oh, quel beau temps aujourd'hui! Il fait même chaud. Enfin l'été! Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Chapitre 19. Le week-end. À la campagne. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Le vendredi soir, à la maison. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Chapitre 20. Les fêtes. Pâques en famille. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux?
Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusés. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier, mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Les 60 ans de maman. Allô Jean, c'est Louise, ça va ? Oh bonjour, bien et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle tous ensemble avec les enfants ? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Chapitre 21. Les invitations. L'anniversaire de mon frère. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille, mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Le mariage de Bénédicte. Bonjour, Alex. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais « me remarier, jamais !» Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ! Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Chapitre 22. Les sorties. Ciné ou théâtre ? À l'arrêt d'autobus. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brolan vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les idiots.
Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Brolland ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Concert à la chapelle. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai deux places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh, Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Chapitre 23. Le restaurant. Dans une brasserie. Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou ? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout ? Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée... Je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi ? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie. Et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson ? Saignante. Et comme boisson ? Vous désirez ? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames, je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini ? Vous désirez autre chose ? Un dessert, peut-être ? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux ? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Au Resto U. Salut François, tu vas déjeuner ? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens ? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au Resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise. J'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le Resto U. Et on a un repas correct pour 2,60€. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord ? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit ? Vocabulaire en dialogue. Niveau intermédiaire. Copyright Clé Internationale 2008. Chapitre 1. Le corps et les mouvements. Séance de gymnastique. Allez, on reprend les exercices. La tête est bien droite, les bras le long du corps, écartez les pieds, pliez les genoux 10 fois. 1, 2, 3, très bien. Attention Véronique, vos jambes sont trop raides. Pliez plus les genoux et levez la tête. Continuez. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va travailler les hanches et le ventre. Gardez les jambes écartées et mettez vos mains sur les hanches, comme ça. La tête reste droite. Vous devez tourner la poitrine et les épaules. 10 fois à droite, puis à gauche. Allez le plus loin possible en arrière.
Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Moi, ça me fait mal au dos, c'est normal? Alors arrêtez et détendez-vous 2 minutes. Mettez-vous à genoux, le dos rond. Voilà. Les autres, continuez. 7, 8, 9, 10. Bien. Maintenant, allongez-vous sur le dos et pliez les jambes sur le ventre. Écartez les bras au sol et balancez vos jambes lentement sur la droite, puis sur la gauche. Faites ça 10 fois. Je vous regarde. 1, 2, 3, 4. Non, Laurence, il faut faire ce mouvement plus lentement. Et votre dos doit rester contre le sol. 6, 7. Voilà, c'est mieux. 9, 10. Et on se relève. Très bien, mesdames. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. À jeudi. Moi, j'ai vraiment mal au dos. Je dois m'asseoir. Je me demande si cette prof est vraiment bien. Écoute, on voulait se muscler avant les vacances, donc on continue. Mais en septembre, on pourrait aller au cours de yoga. Ce serait sûrement plus tranquille. Mon petit plaisir. Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas un gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire 1 quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même. Elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime. Alors, je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage et puis tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai. Mais c'est mon petit plaisir. Chapitre 2. La santé. L'opération du genou. Tiens, bonjour Michel. Comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement, mais depuis ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Ah oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à l'hôpital Saint-Louis, je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là. C'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord. Appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Antoine ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Non, quand je cours. Et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, il est un peu fatigué. C'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Antoine. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez 3 fois par jour. Ses comprimés à prendre matin et soir, pendant 5 jours. Et des pastilles à sucer. Pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourrait aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison, plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme.
Je vous dois combien ? 25 euros. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Antoine. Et reste tranquille, hein ? Chapitre 3. L'hygiène et la beauté. La salle de bain. Adrienne, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux. Et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche ? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais, mais tu me prends encore pour un bébé ! Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Martine, je peux entrer ? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Jean, il va falloir déménager. Mais pourquoi ? Il est très bien, notre appartement. Non ! Maintenant qu'Adrienne est grande, il nous faut absolument deux salles de bain. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais ? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux, ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si, bien sûr. Elle arrive vers 10h30. Elle ne va pas tarder. Suivez-moi. On va vous faire le shampoing. Chapitre 4. La mode et les accessoires. La boutique branchée. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Oh, regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non ? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier, il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, très bien, ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix ? 120 euros, dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés ? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui, je cherche un cadeau pour ma mère, c'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça ? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette ? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh ! Et regarde ce béret. Joli, non ? Je l'essaie. Comment ça me va ? Très bien, tu devrais le prendre. 65 euros plus 110 euros pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Au rayon maroquinerie. Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider ? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article ? Bien sûr, voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien ?
180 euros. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Chapitre 5. Le caractère. Recherche d'un colocataire. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique. Mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis, elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon, et Marie? C'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai. Et intelligent. Mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale. Réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non! Elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Ah, il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour, c'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin. Bon, moi aussi je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? Une charmante petite amie. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non? Oui, une jolie fille. Mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien, sa mémère. Ah bon? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Chapitre 6. Les sentiments. Un petit bonheur. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique. La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary. Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouf, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports, et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami, Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi, s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. La panique. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout, mais je fais de la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'angoisse. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens, surtout si les résultats sont bons.
Alors, tu as eu les résultats ? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi ? Je suis hyper contente. J'ai tout réussi. Oh, je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Chapitre 7. Le travail. Dans une agence d'intérim. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon. Vous parlez anglais et chinois ? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait ? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas, hein ? Pas de problème. Je vous appelle. Un job d'été. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon? Génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11h à 20h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal. Tu vas gagner combien? 700€ pour le mois. Bof, pas terrible. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100€ par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Chapitre 8. Le téléphone. Rendez-vous manqué. Banque du Commerce, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Cortino, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Vincent Armand. Ne quittez pas, je vais voir si monsieur Cortino peut vous parler. Je suis désolée, monsieur Cortino est en ligne. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? Bien, merci madame. Banque du Commerce, bonjour. Oui, j'ai déjà appelé tout à l'heure. Pouvez-vous me passer monsieur Cortino, s'il vous plaît? Ah oui, vous êtes monsieur... Vincent Armand. Patientez quelques instants, je vous le passe. Monsieur Cortino, monsieur Armand veut vous parler. Désolé, je suis en réunion. Prenez ses coordonnées, je le rappelle quand la réunion est finie. Monsieur Armand? Monsieur Cortino est occupé, il va vous rappeler. Quel est votre numéro? C'est le 03 45 98 12 59. Mais peut-il me rappeler avant 16h? Ensuite, je dois partir. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous êtes bien sur le répondeur de Vincent Armand. Je ne peux pas prendre votre appel, mais laissez-moi un message et je vous appellerai dès que possible. Parlez après le bip. Oui, monsieur Armand, Louis Cortino à l'appareil. Vous avez essayé de me joindre aujourd'hui et je vous rappelle très tard. Je suis désolé. Téléphonez-moi demain, je suis à mon bureau à partir de 9h.
plus de forfait. Je n'arrive pas à joindre Paul. Il n'est jamais chez lui et on doit se retrouver ce soir pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tu as son numéro de portable ? Oui, mais je n'ai plus de forfait, donc appelle-le. C'est le 06 44 39 61 80. Merci, j'essaie. Ah zut, il ne répond pas. Envoie-lui un texto, en général il les lit. Oui, t'as raison. Oh, je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de le mettre en charge hier. Comment je vais faire ? Tiens, tu as de la chance. Voilà Marlène. Je suis sûr qu'elle a son portable et qu'elle sera ravie d'appeler Paul. Chapitre 9. L'informatique. Choisir un ordinateur. Bonjour monsieur, je voudrais acheter un ordinateur portable. Je ne connais absolument rien en informatique, mais ma fille, qui habite à l'étranger, m'a dit d'en acheter un pour pouvoir communiquer avec elle par Internet. Je voudrais pouvoir envoyer et recevoir des courriels, mais aussi brancher une webcam. Je n'ai pas besoin d'autres fonctions. Oui, je vois. Ce portable PC est très bien, et il est en promotion actuellement. Nous avons aussi ce modèle Mac, qui est plus cher, mais plus facile à utiliser si vous êtes débutante. Les claviers sont les mêmes. L'écran de celui-ci est plus grand. Vous voyez ici, sur ces prises USB, vous pourrez brancher une souris et une webcam. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise pour recharger la batterie. Vous avez une autonomie de 4 heures environ. Pour la connexion Internet chez vous, il faudra prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet. Quelqu'un peut vous aider pour vous montrer comment l'utiliser ? Oui. Je peux me brancher sur ma prise de téléphone, je crois. Et mon neveu connaît très bien tout ça. Il passe son temps à surfer sur Internet. Vous pouvez me montrer un peu comment ça marche ? Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez sur cette touche. Pour vous connecter à Internet, vous devrez cliquer sur cette icône. Maintenant, nous ne sommes pas connectés, donc la page Internet ne peut pas s'ouvrir. Ici, en haut, c'est la barre d'outils. Si plus tard vous voulez faire du traitement de texte, vous devrez cliquer sur cette icône pour ouvrir une page blanche. Il faut prendre l'habitude de sauvegarder régulièrement vos textes, sinon vous risquez de les perdre. Bon, merci. Tout ça est un peu compliqué et je vois que vous avez d'autres clients qui attendent. Je vous remercie, je vais revenir avec mon neveu. Au fait, il fait quel prix ? Ce modèle est à 1200 euros. Merci bien. On repassera demain. Au revoir, madame. Première leçon d'informatique. Regarde, c'est simple. Pour ouvrir Internet, tu places la souris sur l'icône du navigateur, ici, puis tu cliques et la page s'ouvre. Voilà. Tu dois maintenant écrire ton adresse email et tu composes ton mot de passe. Et voilà! Tu peux taper ton message. Pour l'envoyer, tu cliques ici. Facile, non ? Et quand tu as fini, tu quittes le navigateur et tu éteins. Quand tu le fais, ça paraît simple. Mais je pense que je vais me tromper plus d'une fois. Ne t'inquiète pas, je viendrai t'aider si tu as des problèmes. Chapitre 10. Les voyages. Voyage à Toulouse. Alors, vous allez comment à Toulouse ? Je ne sais pas encore. On peut prendre le train ou l'avion. Vous n'avez plus votre voiture ? Si, mais c'est beaucoup de route. Et au retour, il y a les embouteillages du dimanche soir. Dans le train, on se repose. Donc, vous partez en train ? Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la correspondance. Il n'y a pas de TGV direct. Alors prenez l'avion. C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher. On est quatre et les enfants sont grands. Ils payent plein tarif maintenant. Moi, j'ai une bonne idée. Invitez vos amis. Ils viennent passer la semaine chez vous et vous restez tranquillement à la maison. Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Le pont du 1er mai.
Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour le pont du 1er mai. Qu'est-ce que vous me proposez ? Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone. Il y a une promotion très intéressante et il reste encore quelques places. Vous êtes combien ? Nous sommes deux, mon mari et moi. On voudrait partir le vendredi 27 avril et rentrer le mardi 1er mai dans la soirée. Oui, l'avion décolle de Montpellier à 18h35. Ça irait ? Oui, parfait. Vous faites aussi les réservations d'hôtels ? Bien sûr. Quel genre d'hôtel cherchez-vous ? Oh, un petit hôtel dans le centre-ville. Ah, voilà, l'hôtel Paloma, 3 étoiles. Il y a une belle terrasse avec une jolie vue. Et ça fait combien, le vol aller-retour et les 4 nuits d'hôtel pour 2 personnes ? Je regarde. Alors, il y a un forfait à 450 € par personne. Ça inclut le vol aller-retour, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et la chambre pour 4 nuits. Ça me paraît très raisonnable. Je vais en parler avec mon mari. Attention, il ne reste plus beaucoup de place, alors n'attendez pas trop longtemps. Je vous donne une réponse demain matin. Parfait. À demain donc. Voici ma carte. Appelez-moi. Chapitre 11. Les vacances. La France ou l'étranger ? Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ? Cet été, nous louons une maison en Bretagne. Les enfants veulent faire de la planche à voile. Vous pouvez venir nous voir, la maison est grande. C'est gentil, mais on part 3 semaines au Québec, tous les deux. Les filles ont choisi de passer les vacances sans nous, alors nous allons faire un voyage. Vous partez en voyage organisé ? Non. Nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous allons circuler librement le long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs nationaux et on va s'arrêter quelques jours chez nos amis à Baie-Saint-Paul. Super ! Tu vois, Madeleine, dans 1 an ou 2, on pourrait faire ça aux États-Unis avec les garçons. Ils seront plus grands. Et vos filles ? Delphine part à Barcelone chez des amis espagnols de la fac et Mathilde va en Grèce avec son copain. Ils vont faire du camping dans les îles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire en Bretagne ? Moi, j'ai vraiment besoin de me reposer. Cette année a été fatigante et je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-être peindre. Et toi, Paul ? Tu as des projets ? Oui, je vais aider un copain à refaire sa maison. Tu sais bien que j'aime bricoler. Et puis, je vais essayer de jouer au tennis. Il faut quand même faire un peu de sport. C'est vrai. Eh bien, nous, au Québec, on va faire de la randonnée. Le rêve. J'ai trouvé sur internet des billets d'avion pas chers pour Athènes. Et moi, j'ai trouvé un forfait jeune, bus plus bateau plus une nuit d'hôtel à Athènes pour 450 € aller-retour. Pas mal. Moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non ? Si, mais pas dans Athènes. Et puis tu sais, dans les îles, on peut aussi dormir chez l'habitant. Les chambres ne sont pas chères. Bon, alors je réserve. Il ne reste pas beaucoup de place. D'accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grèce avec toi. Le soleil, la mer, les petits villages. Tu oublies les restos sympas et les gens sont adorables. On va passer des vacances de rêve. Hé, hey, c'est là qu'on descend, vite ! Ah oui, j'étais déjà en Grèce. Chapitre 12. La géographie et le monde. Le réchauffement de la planète. Qu'est-ce que c'est, le réchauffement de la planète ? Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud sur la Terre. Il y a de plus en plus de déserts et les glaces des pôles commencent à fondre. Donc le niveau des océans et des mers monte et un jour, les régions au bord de la mer seront recouvertes. Elles seront sous l'eau. Mais alors, il n'y aura plus que la mer ? Non. Heureusement, la plupart des pays vont lutter contre la pollution qui provoque ce réchauffement. Mais il faut faire attention, même ici, à la maison. On ne doit pas gaspiller l'eau qui manque sérieusement dans certains pays, par exemple en Afrique. Qu'est-ce que c'est, l'Afrique ? Tu n'as pas encore appris ça à l'école ? C'est un continent. Sur la Terre, il y a plusieurs continents entourés d'eau. L'Afrique est en face de l'Europe.
Et la France est... Mais si on habite à la montagne, il n'y a pas de problème alors? Non, ne t'inquiète pas. Et va te coucher, il est tard maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Elodie. Dors bien. C'est où, ça? Cet été, j'irai bien au Monténégro. Il paraît que c'est magnifique. C'est où, ça? C'est un petit état indépendant qui touche la Serbie, à la frontière nord de la Grèce et de l'Albanie. Il y a des montagnes, des lacs, la mer, des îles et de jolis endroits à visiter. Une de mes collègues y est allée avec son mari pour les vacances de Pâques. Ils ont adoré. On y va comment, là-bas? Par la route, mais c'est un peu long. Il faut traverser le nord de l'Italie, puis longer la côte croate. Ou alors, on peut aussi traverser l'Italie et ensuite prendre un bateau. C'est beaucoup plus rapide. Bon, pourquoi pas? Je vais d'abord regarder une carte d'Europe, parce que je ne vois pas très bien où c'est. Oui, mais pas maintenant. On a dit qu'on allait prendre le café chez Pierre et Nathalie. Alors on y va. Chapitre 13. La mer et l'eau. Une partie de pêche. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais à la pêche. Tu veux venir avec moi? Pourquoi pas? Tu vas pêcher où? Au petit lac? Non, je vais remonter le torrent un peu après la cascade. Là-bas, il y a des trous profonds avec de gros poissons. Ça te dit? D'accord. Je prépare mon matériel et on se retrouve au pont. C'est bon. Prends un chapeau, il va faire chaud. Et de l'eau ou autre chose à boire. Allez, à tout à l'heure. Après-midi à la plage. Les enfants, allez mettre vos maillots de bain, on va à la plage. Et n'oubliez pas les pelles et les seaux, on va faire un gros château de sable. Maman, j'ai faim. Non, Alex, ce n'est pas l'heure de goûter. Allez d'abord vous baigner avec papa. Mais maman, l'eau est loin, il y a des grosses vagues. Oui, c'est normal, c'est marée basse. Mais la mer va bientôt remonter. En attendant, on va chercher des crabes et ramasser des coquillages. On en aura besoin pour décorer le château tout à l'heure. Tiens, quelle bonne idée! Allez faire votre château de sable et moi, je vais lire tranquillement mon magazine. Regarde un peu ce château. Magnifique, non? Superbe! Mais maintenant, allez vous baigner. Vous êtes couverts de sable. Bon, allez les enfants, on y va! C'était super! On a bien sauté dans les vagues, mais elles étaient tellement fortes qu'on pouvait pas nager. Maman, j'ai froid. Une serviette, s'il te plaît. Oh, des serviettes de bain. J'ai pris le goûter, la crème solaire, une bouteille d'eau, mais j'ai oublié les serviettes. Je suis désolée. On va faire la course. Et pour la peine, Odile, tu vas courir avec nous jusqu'au rocher. Comme ça, les enfants n'auront pas froid. Chapitre 14. Le ciel et la terre. Le passage de la comète. Regarde, le soleil vient de se coucher. Le ciel est tout rose. Pas un nuage. Il y a juste un peu de vent. Nous avons de la chance. T'as pris tes jumelles? Non, je les ai oubliées. Mais la comète doit passer vers minuit. On a le temps de repasser à la maison et de mettre un pull. La nuit va être fraîche. Ouais, t'as raison. Et puis Pauline viendra peut-être avec nous. Je peux regarder avec les jumelles? Oh, il y a plein d'étoiles. Et là, je viens de voir une étoile filante. Ou alors c'est la comète? Non, probablement une étoile filante. La comète est beaucoup plus grosse. Mais regarde, là-bas, cette grosse étoile à côté de la lune. C'est l'étoile du berger. C'est la première qui apparaît la nuit. Ah, oui, je la vois. Et Saturne et Jupiter, ils sont où? Ce sont des planètes qu'on ne voit pas comme ça. Il faut aller dans un observatoire pour les voir. Oh, dommage. On la voit quand, la comète? J'ai froid. Écoute, Pauline, je t'avais dit de mettre un blouson. C'est vrai que le vent se lève. Et les nuages arrivent. Je viens de voir un éclair là-bas.
L'orage approche. Allez, on rentre. Il est 1h du matin et on n'a rien vu. La comète ne nous a pas attendus. Mer ou montagne? Où est-ce que tu aimerais passer tes vieux jours? Quelle drôle de question! Mais je te réponds quand même. Au bord de la mer, près d'une crique. Ou encore mieux, sur une île. J'irai à la plage, je me baignerai dans les vagues, avec toi bien sûr. Et toi? Oh, moi, je voudrais aller vivre à la montagne. J'adore les longues marches sur les sentiers, le long des torrents, me baigner dans les lacs. Tu n'aimerais pas? Non, pas vraiment. Il fait froid l'hiver et je n'aime pas la neige. Et un petit village à la campagne, pas trop loin de la mer, par exemple dans l'arrière-pays niçois? Il y a des collines, des rivières, et la côte n'est pas très loin. Non, j'ai une meilleure idée. La Corse, c'est idéal. Il y a la mer, la montagne et la campagne. Oui, pourquoi pas. Mais on a encore le temps de penser à notre retraite. Chapitre 15. Les animaux. Un chien ou un chat? Maman, pourquoi on n'a pas de chien comme Léo? Il vient d'en avoir un pour son anniversaire. Oh oui, et moi j'aimerais bien avoir un petit chat comme celui de Juliette, il est trop mignon. Non les enfants, ce n'est pas possible. Dans la journée, il n'y a personne à la maison. Et les animaux sont malheureux dans un appartement. Et puis un chien, il faut le sortir plusieurs fois par jour. Mais un chat, ça mange, ça joue et ça dort, c'est tout. Et quand on part en vacances, qui viendra s'en occuper? Non, il n'en est pas question. Mais alors, on pourrait avoir un hamster? C'est petit, ça vit dans une cage comme un oiseau. Ou bien, on pourrait avoir un poisson. Ou une tortue. Et pourquoi pas un serpent ou une souris? Les enfants, ça suffit. Cet été, quand on ira chez vos grands-parents, vous pourrez jouer avec le lapin et les poules. Et puis, vous irez à la ferme à côté, voir les cochons, le cheval et les vaches. C'est beaucoup plus intéressant. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas les animaux. C'est vrai, je n'aime pas les animaux enfermés. Il faut les laisser en liberté. Dans une animalerie. Ce chiot est très beau. Il est de quelle race? C'est un cocker américain. Il va beaucoup grandir? Je dis ça parce que j'habite en ville, dans un studio. Non, il ne deviendra pas très grand. C'est un chien qui peut vivre en appartement et qui aime beaucoup la compagnie. Il demande beaucoup de soins? Il faut le sortir, bien sûr. Mais c'est un animal tranquille. Seulement, il faut le brosser régulièrement, car ses poils sont longs. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire toiletter très souvent. Il a quel âge? 3 mois. Il est en excellente santé. Le vétérinaire l'a vu avant-hier. Regardez son pédigré. Il fait quel prix? 550 euros. Bon. Merci, je vais réfléchir. Je reviendrai vous voir samedi prochain avec une amie qui connaît bien les chiens. Chapitre 16. Les végétaux. Au jardin botanique. Attention Axel, ici, il ne faut pas marcher sur la pelouse, ni toucher aux fleurs, encore moins les couper. Tu peux seulement les regarder et les sentir. Elles sont belles, non? Oui, mais il n'y a que des fleurs dans ce jardin? Non, il y a aussi des arbres magnifiques. Celui-là, tu le connais, c'est un sapin. Oui. C'est comme celui qu'on a à la maison pour Noël. Mais il est bien plus grand. Oui, c'est ça. Tiens, on arrive au verger. Ici, il y a plein d'arbres fruitiers. Des pommiers, des cerisiers, des pêchers, des poiriers. Quand les fleurs seront tombées, il poussera des fruits. Des pommes, des cerises, des pêches, des poires. C'est joli, non? Et à côté, c'est le jardin potager. Là, tu vois, ce sont des carottes. Des haricots et voilà des plants de tomates. Et ça, c'est de la salade? Non, ce sont des feuilles de citrouille. Dis, mamie, il n'y a rien de plus amusant que des plantes dans ce jardin?
Si, on va aller à la serre avec des plantes du désert, comme des cactus. Ils sont couverts d'épines et ils fleurissent quelquefois. Il y a aussi la serre tropicale où poussent des plantes avec des feuilles énormes aux formes bizarres. Et des bananiers, et des cocotiers. Et il y a aussi des singes? Non. Bon, je vois que les plantes ne te passionnent pas. On va rentrer. La prochaine fois, je t'emmènerai au zoo. C'est promis, Axel. Dans une jardinerie. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais planter des arbustes pour faire une haie. Nous cherchons des plantes à feuilles persistantes. Oui, c'est au fond de l'allée, à gauche après les arbres fruitiers. Les arbustes sont là-bas et vous trouverez un vendeur. Merci. Hélène, et si on plantait un cerisier au fond du jardin? Ce serait sympa d'aller cueillir les cerises dans l'arbre, non? Oui, mais il faudra attendre combien de temps? Occupons-nous déjà de la haie pour nous isoler des voisins. D'accord, si tu veux. Je vais voir les arbustes et toi, tu regardes les fleurs. Je te retrouve dès que j'ai fini. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai pris plusieurs espèces, dont quelques arbustes à fleurs. Ce sera pas mal, je crois. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Oui, un rosier grimpant, deux pieds de pivoine et des oignons de tulipe. Je vais aussi prendre des graines de giroflée, j'adore ces fleurs. Je te laisse choisir, les fleurs, je n'y connais rien. Allez, je vais à la caisse, tu m'y rejoins. Dans une jardinerie. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais planter des arbustes pour faire une haie. Nous cherchons des plantes à feuilles persistantes. Oui, c'est au fond de l'allée, à gauche après les arbres fruitiers. Les arbustes sont là-bas et vous trouverez un vendeur. Merci. Hélène, et si on plantait un cerisier au fond du jardin? Ce serait sympa d'aller cueillir les cerises dans l'arbre, non? Oui, mais il faudra attendre combien de temps? Occupons-nous déjà de la haie pour nous isoler des voisins. D'accord, si tu veux. Je vais voir les arbustes et toi, tu regardes les fleurs. Je te retrouve dès que j'ai fini. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai pris plusieurs espèces, dont quelques arbustes à fleurs. Ce sera pas mal, je crois. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Oui, un rosier grimpant, deux pieds de pivoine et des oignons de tulipe. Je vais aussi prendre des graines de giroflée, j'adore ces fleurs. Je te laisse choisir, les fleurs, je n'y connais rien. Allez, je vais à la caisse, tu m'y rejoins. Chapitre 18. La consistance, le goût, les mesures. Produits exotiques. Comment tu trouves ça? C'est une spécialité vietnamienne. Ça a une drôle de consistance. C'est mou et un peu élastique, avec un goût bizarre. Ni sucré, ni salé. Je pense que c'est fait avec du riz, non? Oui, c'est curieux. Je n'aime pas vraiment, mais c'est joli, cette petite boule rose et jaune. Ça donne envie de mordre dedans. Et regarde ça, tu crois que c'est un dessert? Cette crème blanche? Je ne sais pas, on peut en acheter une pour y goûter si tu veux. Mais ça me semble bien liquide et l'odeur est un peu aigre, non? Oui, tu as raison. Oh, là-bas, il y a un stand de pâtisserie orientale. J'adore les loukoums. On y va? Allons-y si tu veux, mais je n'y toucherai pas. Je trouve ça écœurant, collant. Et beaucoup trop sucré à mon goût. En plus, c'est lourd à digérer. Et ça, tu connais? Ce gros fruit ovale, tout hérissé, c'est quoi? C'est un durian. J'en ai mangé en Indonésie. Les Asiatiques en raffolent, mais l'odeur est très forte. Et à mon avis, c'est infect. Je te déconseille d'y goûter. Prenons plutôt ça. La chair est fine et parfumée. Tiens, essaie. Non, je crois que j'ai mangé un peu trop de loukoum et je me sens lourde. Je vais arrêter là mes dégustations pour aujourd'hui. Un cadeau étrange. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Mais tu dois le mériter. Je l'ai rapporté de mon voyage au Brésil. Alors, il faut que tu devines ce que c'est à travers le papier. Bon, d'accord. J'essaie de trouver. C'est pas lourd. Pas trop encombrant. C'est dur. Plutôt léger. Attends,
Je sens deux parties rectangulaires, non, plutôt coniques, un peu allongées, étroites, et puis entre les deux, quelque chose de mince et recourbé. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Un outil? Un instrument de musique? C'est en bois et en métal? Allez, je t'aide. C'est en fer. Et les Brésiliens tapent dessus avec une fine baguette de bois. On l'utilise dans les fêtes. Ça y est, je crois savoir. C'est une sorte de cloche, non? J'ai vu un documentaire l'autre soir sur des tribus brésiliennes et les gens marquaient le rythme avec cet instrument bizarre. Je peux ouvrir maintenant? Oui, ça s'appelle un agogo. J'espère que ça te plaît pour compléter ta collection d'objets rares. Chapitre 19. Les médias. Chez le marchand de journaux. Bonjour, vous n'avez plus Libération? Regardez là-bas, sur le présentoir des quotidiens. Il en reste peut-être. Non, il n'y en a pas. Tant pis, je vais prendre un journal régional. Vous avez Ouest France? Oui, bien sûr. Je sais qu'il en reste. Papa, tu peux m'acheter un magazine pour aller à la plage? Bon, d'accord, va le chercher. Qu'est-ce que c'est? Une revue de photos? Ou c'est nouveau que tu t'intéresses à la photo? Ah oui, il faut aussi Elle pour ta mère. Où sont les magazines féminins? Au fond du magasin, à gauche. Et avec Elle, cette semaine, il y a un supplément, un spécial minceur. Très bien. Ça va lui plaire. Bon, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous dois combien? Ça fait 9,50 €. Tenez. Et demain, vous pouvez me garder à Libération? Bien sûr. Bonne journée et à demain. Soirée télé. Ce soir, j'ai envie de regarder la télé. J'ai jeté un œil au programme et sur M6, on passe Qui a tué Bambi. Ça te dit? Jamais entendu parler. C'est un film pour les enfants? Pas du tout. C'est une comédie dramatique assez réaliste. La critique est excellente. Je ne sais pas. Sur Canal+, on retransmet en direct le match de foot Bordeaux-Liverpool. J'avoue que ça me tente plus. Ce n'est pas grave, tu t'installes dans le salon avec le match et moi je regarde tranquillement mon film dans la chambre. Dis, il est 19h, tu peux mettre la radio? Je voudrais écouter les infos. Oui, bonne idée. Tu sais que les impôts vont augmenter? Ça fait la une des journaux. Non, je n'ai pas lu le journal aujourd'hui. Laisse-moi écouter. Chapitre 20. La politique et les conflits sociaux. Jour de grève. Les principaux syndicats appellent les employés de la SNCF et de la RATP à faire grève le vendredi 23 novembre suite à une déclaration du ministre des Transports. Hier, ce dernier a annoncé qu'il envisageait de reculer l'âge de la retraite. Pour les jours à venir, des manifestations sont prévues dans différents secteurs. Les députés siégeront dans la matinée pour discuter une nouvelle loi sur l'immigration. Tu vois, on a bien fait de prendre notre retraite l'année dernière. Le nouveau gouvernement aurait bien été capable de nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Allez, tu exagères. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le 23 novembre, c'est le week-end où les enfants doivent venir. Et comme il n'y aura pas de train, ils vont annuler leur voyage. Ne t'en fais pas, ils trouveront bien une solution pour venir. Moi, en tout cas, la politique, ça me dégoûte de plus en plus. Pas un seul parti honnête. Si j'avais su, je n'aurais pas voté aux dernières élections. Maintenant qu'il est président, il ne tient plus le même discours. Tu n'avais qu'à faire comme moi, voter pour le candidat écologiste. Lui, au moins, on pouvait lui faire confiance. Tu sais bien ce que j'en pense. Alors arrêtons là la discussion. Je vais faire un tour au village et acheter le journal. T'as besoin de quelque chose? Manifestation. Tu vas à la manif demain? Je ne pense pas, j'ai un examen d'économie à préparer. Toi alors, qu'est-ce que t'es étriqué? Si la loi passe, diplômé ou non, tu n'auras pas de travail. Tu ne te sens pas concerné par la précarité de l'emploi, la montée du chômage et la réduction des acquis sociaux? Vraiment, tu me déçois. Oui, tu as peut-être raison. Finalement, je vais faire la manif. Ah, quand même! Allez, viens avec moi. Je vais finir de préparer une banderole. Et il y a des tracts à distribuer.
Chapitre 21, les arts et la culture. Un été de festival. Cet été, j'irai bien au Festival d'Avignon. Je n'y suis encore jamais allée et j'aimerais voir quelques pièces de théâtre, des spectacles de rue et pourquoi pas du mime. Il présente des créations tout à fait inédites et il paraît qu'il y a une ambiance extraordinaire. Et puis, c'est dans un cadre magnifique. Ça te dirait ? J'aurais bien aimé, mais j'ai déjà des projets pour l'été. Un ami photographe m'a proposé d'aller à Arles pour découvrir les rencontres de photos. De très grands photographes exposent chaque année. En même temps, il y a des concerts de musique africaine avec des chanteurs, des groupes. Le programme m'a l'air très bien. Il y a Césaria Evora qui donne un concert. Tu sais, la chanteuse capverdienne, je l'adore. Mon ami habite près d'Arles, dans une grande maison. Tu pourrais peut-être passer. Je vais lui en parler. Si ces rencontres ont lieu en juillet aussi, pourquoi pas? Ce serait sympa. D'abord du théâtre, puis de la photo et de la musique africaine. Oh, quel été culturel! Ça me tente bien. Et les dates coïncident? Les rencontres d'Arles durent tout l'été. Mais as-tu déjà des réservations pour des spectacles à Avignon? Et pour te loger, je crois qu'il y a foule. Non. Je vais m'en occuper très vite. Mais j'aurais quand même bien aimé que tu viennes à Avignon avec moi. La Biennale d'art contemporain. Mon frère est invité à la Biennale d'Istanbul cet automne. Je crois que je vais y aller pour l'aider à installer ses toiles. Dis donc, c'est super! Il commence à être connu. Oui, il fait partie d'un groupement de jeunes artistes contemporains. Ils font maintenant beaucoup d'expositions en France et à l'étranger, dans des galeries, des musées, des centres culturels. Il y a seulement des peintres dans cette association? Non, il y a aussi des sculpteurs, des artistes vidéo, des photographes et même des dessinateurs de BD. Et ils vont tous à Istanbul? Non, certaines œuvres ont été sélectionnées. Mais il y aura des créations du monde entier. Ça aura lieu au Musée d'art contemporain, dans un espace immense. Je pense que ça va être très intéressant. Oh, ça me tenterait bien aussi de venir vous aider. Chapitre 22, l'argent et la banque. Au guichet d'un bureau de change. Bonjour madame, je voudrais acheter des dollars américains. Quel est le cours aujourd'hui? Pour 1 euro, vous avez 1,40 $. Bien, l'euro continue de monter. Je voudrais changer 500 euros. Vous avez des chèques de voyage? Désolé, la commission est trop importante. Voyez avec votre banque. Bon, je n'ai pas le temps. Donnez-moi pour 500 euros de dollars. Vous avez des petites coupures? Je n'ai que des billets de 50 et de 100 dollars. Ça va? Tant pis, ça ira. Alors voilà, ça vous fait 700 dollars. Merci. Au revoir, madame. L'argent de poche. Maman, tu peux me donner mon argent de poche? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé? Oui, j'ai acheté des tickets de métro, je suis allé 2 fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus, hein. Débrouille-toi et essaie d'être un peu plus économe. Merci, maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Un emprunt. Bonjour, monsieur l'abbé. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire. Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin? La maison coûte 90 000 euros. Je crois que nous disposons de 40 000 euros, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Chapitre 23, les objets personnels. Au commissariat de police. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà, ce matin j'ai oublié mon sac à main dans le bus.
C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Non, désolée madame. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Merci. Bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses ? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Bonne nouvelle. Bonsoir, ma chérie. Tu as passé une bonne journée ? Horrible ! Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus. Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment, comment veux-tu faire autrement ? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non ? C'est vrai, mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Ah, tu m'énerves, tu veux toujours avoir raison. Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac. Oh ! Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Chapitre 24. Les objets de la maison et le bricolage. Installation. Allô, Marie ? Tu peux venir me voir quand tu veux. J'ai trouvé un petit appartement très sympa. Oh, formidable ! Tu es bien installée ? Oui, mais c'est encore un peu vide. Il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales. Des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoirs. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne, un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins, mais je ne veux pas de bibelots. J'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture, dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers ? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord ? Avec plaisir. Alors, à bientôt. Dimanche, bricolage. Alors, ce dimanche, sympa ? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable ! Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi ? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini ? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc, on devrait s'associer ? Ce serait moins ennuyeux, non ? Bonne idée. On va y réfléchir. Chapitre 25. La voiture et la circulation routière. La voiture idéale. Voilà ce que j'aimerais. Un
un cabriolet décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim? Et un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui, et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Une conduite sportive. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il n'était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie, parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur.